Salut les gars et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo actualité de la semaine. Vous le savez, ce mois-ci, les bonus ne changent qu'à 30%, c'est-à-dire que 70% des bonus de la semaine sont les mêmes tout le mois. Donc on va voir très brièvement ce qui ne change pas et on passera ensuite à ce qui change, donc les récompenses de la semaine, ainsi que la liste des objets hebdomadaires à collectionner. On commence avec les bonus du mois. Les missions scénarisées de Jessica Leclerc sont toujours en double XP, double dollar et double lingot. Le mode d'appel aux armes a toujours un bonus de triple XP de quart de compétence. Les séries à la une bénéficient toujours de bonus de double dollar et de double XP. Et pour en finir avec les bonus du mois, un double dollar et double XP dans les repères de gang, avec un petit peu plus de pourcentage de chance de trouver des bons de capital pour les ennemis éliminés. On passe maintenant aux récompenses du mois. Si vous les avez déjà fait, inutile de les refaire, hein. Un coupon de réduction de 5 lingots sur le rôle de votre choix est à récupérer en terminant la mission anéantie par le chagrin. La selle Kneller Dakota est à récupérer en réalisant une série de défis du jour de rôle de 3 jours. Et pour finir avec les récompenses du mois, l'interaction ouais est à récupérer à la condition d'être chef d'un groupe permanent et de se connecter. Du côté des vêtements limités, on a les chaussures Salter, le chapeau Kozak, le tuyau de poil à plume, le manteau Irvine, le pantalon à lacets, les gants fourrure et les chaussettes reprisées. Du côté des réductions du mois, on a les provisions qui sont totalement gratuites. D'ailleurs, je vous ai sorti une vidéo astuce à ce sujet qui vous permettra de gagner 8 lingots. Donc n'hésitez pas à checker cette vidéo à la fin de celle-ci si vous ne l'avez pas vue. Je vous rappelle que cette astuce ne sera disponible que ce mois-ci. Donc profitez-en les gars. Ensuite on aura les changements d'apparence qui sont à moins 50%, le Nokota et le Mustang à moins 30%, tous les chapeaux à moins 30% aussi, les frais de groupe permanents qui sont levés ainsi que les conditions de rang pour les carabines Lancaster, revolver double action et le fusil semi-automatique. On passe maintenant à ce qui change, donc les récompenses de la semaine avec 25 bons de capital à récupérer en terminant une opportunité avec son groupe permanent. Ensuite on a 100 munitions à tête fendue pour fusil à récupérer en chassant un animal légendaire ou en prélevant un échantillon sur un animal légendaire, c'est vous qui choisissez. Et pour finir avec les récompenses de la semaine, un coupon de 30% de réduction sur une carabine est à récupérer en participant à une série à la carte cette semaine. Et je vous rappelle les gars que les séries à la carte ne sont pas à confondre avec les séries à la une. Les séries à la carte sont des modes que vous pouvez choisir dans le menu social club qui se trouve dans le menu pause, et ensuite ça se lance dans le menu rejoindre rapidement du menu joueur comme tous les autres modes. Avant de se quitter, on va voir ensemble la liste des objets hebdomadaires à collectionner. Il s'agira de la collection du chasseur de sorcières, et pour la compléter il vous faudra une lobélie cardinale, un œuf de vautour et une pointe de flèche fendue. Les deux premiers objets sont des objets non aléatoires, donc assez faciles à récupérer, et pour le troisième c'est un objet aléatoire mais les pourcentages de loot sont assez gros, donc c'est une collection que je vous conseille cette semaine. La compléter vous rapportera 75$ et 1000 XP et vous pourrez la revendre chez Madame Nazar ou dans n'importe quel bureau de poste. En tout cas c'est la fin de cette vidéo les gars, on fera un petit récap de ce qui s'est passé puisque ça fait 2 semaines que le mouvement Save Red Dead Online est en marche. Je vous prépare une vidéo qui sortira ce soir ou demain, tout dépend si on a des informations ou non, et bref, ça pour vous dire que je vous prépare une vidéo qui résumera ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, si ça a avancé ou non. En tout cas c'est la fin de cette vidéo les gars, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des vidéos dès leur sortie. Vous pouvez aussi la partager à vos amis pour aider au développement de la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord Von Chester, partage de livraison et de défis du jour, recherche de groupe toutes plateformes confondues, emplacement, news et bien plus encore. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Et sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour du nouveau contenu. D'ici là, portez-vous bien. Peace.